attaquer par un petit exposé rapide, normalement, sur la culture postmonétaire comme outil pour décoloniser les imaginaires. Donc, qu'est-ce que la culture ? Je vais aller vite. Hein. La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié, selon Émile Henriot, qui est un critique littéraire, un écrivain, 1889-1960. Mais je trouve que cette définition, elle tire un peu vers le passé. Et elle ne prend pas en compte tout un tas de choses dans la culture qui peuvent changer avec l'avenir, avec l'imagination, etc. Donc, quand on prend la définition du dictionnaire, la culture, et je parle de culture liée au post-monétaire, parce que beaucoup de problèmes se posent, on n'arrive pas à imaginer ce que ça peut donner qu'une société sans argent. Et la culture est un moyen d'explorer ces possibilités. Il y a le concret, mais il y a aussi, enfin la culture peut être concrète, hein, mais ça peut jouer, donc il ne faut pas y mépriser, à mon avis. Donc la culture, quand c'est sur l'individu, c'est un ensemble de connaissances acquises par un individu. Et dans la définition du dictionnaire, plus loin, c'est un ensemble de comportements au sein d'un groupe. Donc on voit qu'il y a une différence dans culture avec connaissance et comportement. Donc le lien comportement-connaissance ou connaissance-comportement est intéressant parce que parfois on ne sait pas ce qui vient le premier, la poule et l'œuf. Voilà. Lorsqu'un enfant met les doigts dans une plaque électrique chaude, ça brûle. En général, il s'en souvient et cette connaissance guide nos comportements futurs. Mais on peut aussi apprendre que le feu, ça brûle, ça fait mal et toute sa vie, sans l'avoir expérimenté, ne jamais se placer dans un feu. On peut l'apprendre mais continuer à avoir un doute. Et c'est vrai que bien être dans la merde, en général, ça rentre profondément dans notre culture. Petit lien avec l'économie, l'inflation, qui est un des problèmes liés à l'utilisation de monnaie, est une réaction donc monétaire lorsqu'on oublie que la monnaie doit être suffisamment rare, un équilibre de rareté, pour avoir de la valeur. Les Français l'oublient souvent, mais les Allemands, qui historiquement ont eu à subir l'hyperinflation en 1924 et les conséquences pendant les décennies suivantes, eux, ils s'en souviennent bien. Donc voilà, c'est pour marquer le fait que la culture, des fois, elle est imprégnée de gros chocs. Voilà. Mais pas uniquement. Donc, notre culture liée à l'utilisation de la monnaie est-elle modifiable ? C'est pas facile lorsqu'on est programmé par la monnaie dès sa naissance. Je reprends l'exemple que je cite souvent. Lorsqu'un enfant vient de naître, il ne sait pas parler, ses yeux sont incapables de voir, il entend des sons mais ne sait pas trop à quoi ça correspond, il ne peut pas se déplacer tout seul, que déjà ses grands-parents lui ont ouvert un livret A, en général. Ce qui fait qu'on est déjà contaminé par l'argent, par la monnaie, avant même d'avoir compris le concept, d'avoir étudié le concept, etc. etc. Le philosophe Pierre Rabhi résume ainsi notre existence. Nous vivons dans des boîtes, de l'éducation dans un bahut, qui consiste à vous mettre dans une case, à votre travail que vous faites dans une boîte, vos déplacements que vous faites dans une boîte, la voiture, jusqu'à votre mort où vous finirez dans une boîte. Cette vision de boîte est amusante et montre combien on s'enferme tout au long de sa vie. Mais on peut faire la même chose avec le poids de la monnaie. C'est le poids de la monnaie qui entraîne votre lieu de naissance vers une clinique privée ou vers un hôpital public ou dans la rue. C'est le poids de la monnaie qui fait que vous allez dans telle ou telle école. C'est le poids de la monnaie qui vous entraîne dans les études plus courtes parce que vous n'avez pas l'argent qu'il faut. C'est le poids de la monnaie qui vous pousse vers un métier que vous n'aimez pas forcément. C'est le poids de la monnaie qui vous empêche de vous agiter parce qu'à la fin du mois, il faut payer toutes les factures, sinon on est à la rue. C'est le poids de la monnaie qui fait qu'on a une vie plus courte. Plus vous êtes obnubilé et soumis à l'argent, plus vous êtes stressé. Et c'est le poids de la monnaie qui fait que vous avez droit à une sépulture qui reste dans le temps ou qui disparaît rapidement, suivant que vous ayez l'argent pour payer le loyer de votre concession funéraire. Donc voilà, c'est pas très gai, mais c'est pour expliquer un petit peu
l'histoire du poids avec la culture. Mais est-ce que la culture, elle est inamovible hors du chaos? Autrement dit, est-ce que le chaos est obligatoire pour que les choses bougent? Très souvent, quand je parle des idées postmonétaires, les gens disent « Non, mais c'est impossible, ton idée, c'est impossible. » Voilà, ça s'arrête là. Moi, je réponds par provocation, mais vous êtes déjà un peu dans l'après-monnaie quand, par exemple, vous utilisez votre carte bleue des banques. Donc, c'est assez paradoxal parce que c'est les banques qui ont amené ce système, mais les banques ont dématérialisé l'argent. Ce qui fait que, à la fin de la journée, vous ne savez plus ce que vous avez dépensé. Vous n'avez pas non plus le poids de la ferraille. Vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dépensé et la carte bleue, elle est toujours bleue à la fin de la journée. Donc en fait, cette culture de l'après-monnaie peut même venir des banques. Alors évidemment, il faut mettre ça entre guillemets parce que la banque est là pour vous prendre votre fric, mais comme tout lien commercial, mais quand même, il y a des choses qui peuvent arriver à décontaminer de notre habitude de payer. Je donne si, je troque, quoi. Voilà. Ensuite. Donc, les autres choses, dans la culture, les seniors et l'informatique. Un senior et un bidule électronique, en général, ça ne fait pas bon ménage. Mais lorsqu'il y a accès à l'apprentissage, une bonne interface et surtout la motivation à apprendre, les seniors savent se débrouiller. Or, quoi de plus dur pour quelqu'un qui est habitué à une culture pendant un très long laps de temps, de changer sa culture et de passer quelque part à la culture informatique? Or, c'est jouable. Ça existe, ça marche. Donc, il ne faut pas croire que le mur est infranchissable. La culture aussi du téléphone portable. Donc, évidemment, ça, c'est gadget et c'est... Mais il n'empêche que ça... révolutionner beaucoup de choses dans nos comportements, le portable. Donc c'est encore un élément pas très glorieux, mais il n'empêche, il montre que il est possible de faire bouger les lignes sans avoir recours forcément au chaos. Parce que notre monde ne sera jamais que ce que notre cerveau voudra bien en voir. Donc, dans notre monde, nous avons nos certitudes, mais nous sommes également sensibles aux interactions. Parfois, il suffit d'une rencontre pour changer certaines choses de sa vie. Si vous êtes touché par l'existence d'une parole, d'une construction, d'une création artistique, un pont s'est créé. Un pont qui relie notre monde ancien et notre monde à venir. Et pour construire un monde post-monétaire, qui n'est donc pas pré-monétaire, mais qui n'est donc pas un retour en arrière dans nos capacités à survivre, nous devons créer des ponts. Et on ne part pas de rien. Donc la culture post-monétaire, elle existe depuis longtemps. Mais un peu à l'image de l'énergie libre, elle n'est pas développée parce que ça ne sert à rien de parler d'un truc qui n'est pas commercial si tout le monde est dans le système commercial. Donc le premier exemple à ma connaissance, mais... j'attends des gens de la salle si ils en connaissent un autre, plus vieux. C'est en 1516 le livre Utopia de Thomas More. Bon, j'ai une petite remarque sur le mot utopie. Là aussi, c'est culturel. C'est plus ou moins Thomas More, apparemment, qui a inventé ce terme d'utopie, qui a été repris après avec l'âge. Mais à la base, on a le préfixe « ou ». De sens privatif, et noté à la latine au moyen de la lettre U, prononcée comme OU, et topos, le lieu. Donc en gros, utopie veut dire sans lieu. L'utopie ne veut donc pas dire impossible, mais sans lieu. Et dans cette petite marge d'erreur, en fait, il y a toute la possibilité humaine, en fait. Parce qu'impossible, c'est impossible. Sans lieu, ça veut dire qu'on peut créer le lieu. Et ça, c'est vraiment très important.
Donc, dans ce livre, Thomas More explique le fonctionnement d'une société qui n'utilise plus de monnaie, qui se moque du métal or et qui utilise même son poids comme une punition pour les personnes avides. Évidemment, cette approche de 1516 comporte quelques aberrations pour notre époque, parce qu'elle est issue de sa culture à son époque, comme celle de l'esclavage qu'il utilise dans le système, maintenant rendue obsolète grâce et éventuellement par l'emploi intelligent de certaines machines, comme celle de la vision patriarcale aussi. Depuis, on sait que la sagesse n'est pas liée au sexe ni à l'âge. Mais ce texte est quand même culturellement très important. Alors, depuis 1516, que s'est-il passé ? Nous avons vu l'histoire des pirates ce matin, mais une fois de plus, la culture monétaire actuelle a transformé les pirates en danger, un film de spectacle, et on s'est encore éloigné de la base. Donc, plus proche de nous, ça a été évoqué un moment un peu par Macri sur la propriété, mais il n'y a pas de problème, il y a l'an 1. L'an 1, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, ceux qui se connaissent, ils vont s'embêter pendant 5 minutes. C'est une BD qui a été faite par GB, GB de son vrai nom Georges Blondeau, qui a été entre autres rédacteur en chef de Harakiri, puis de Charlie Hebdo. Que nous raconte l'an 1 ? Sous-titré, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Donc cette BD analyse les aberrations de la société marchande, productiviste, la propriété, le travail. Et évidemment, dans la société qui découle de cet arrêt du délire, on prend le temps de redémarrer uniquement ce qui est utile, acceptable, écologiquement, etc. Et il n'est plus question d'utiliser de la monnaie. Comme pour Utopia, écrit en 1516, l'an 01 est empreint de la culture du moment post-68ard. Mais lorsqu'on voit certaines répliques, on constate évidemment que c'est toujours pleinement d'actualité. Donc voilà, c'est rigolo. De cette BD a été fait un film, l'an 1, réalisé par Jacques Doillon, GB, Alain Resnais et Jean Rouge. Alors je ne sais plus si ça prononce Rouge ou Rouc. Ce film est culte, mais évidemment totalement inconnu du grand nombre, comme tous les vrais films cultes. Et c'est très dommage, donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire, c'est aller choper ce film l'an 01. Vous pouvez le voir déjà pour l'histoire, parce que ça fait réfléchir, mais en plus pour le casting incroyable fait d'inconnus de l'époque. À savoir, dans ce film, il y a Daniel Auteuil, Josiane Balasco, François Béranger, Isabelle de Botton, Romain Bouteille, Cabu, Cavana, le professeur Choron, Christian Clavier, Coluche, Albert Delpy, Gérard Depardieu, Gottlieb, Jacques Higelin, Gérard Jugnot, Patrice Lecomte, Thierry Lhermitte, Miu Miu, Daniel Prévost, Philippe Stark, le designer, Volinsky. Enfin voilà, rien que pour ça, c'est une curiosité culturelle. À aller regarder parce que voilà, c'est étonnant. Voilà, donc ça c'est un petit truc, faites un enfant, il vivra là, c'est drôle. Ensuite, je vais vous parler, bon désolé pour cette petite autopromotion, mais de pièces de théâtre. En 1998, une pièce de théâtre intitulée « La fin des politiciens » raconte l'histoire d'un jeune riche héritier qui veut améliorer la face du monde mais qui ne sait pas comment faire. Alors il va voir quelqu'un de son monde, un publicitaire très connu, très bronzé tout le temps, si vous voyez à qui ça s'adresse, et il lui dit qu'il veut améliorer le monde, mais il ne sait pas comment faire. Il lui explique son envie, ce qu'il laisse dubitatif le publicitaire, améliorer les choses, pourquoi faire ? Tout ne va pas si mal en ce bas monde, pourquoi changer quoi que ce soit ? Mais à cause de problèmes financiers, ce publicitaire va accepter de s'occuper de la campagne aux élections présidentielles de ce jeune. Seulement partir aux élections, d'accord, mais avec quelles idées centrales ? Et par démagogie pure, il imagine un monde sans impôts, sans vol, sans violence exacerbée, sans chômage, bref, un monde qui n'utilise plus de monnaie. Mais en partant de l'idée que faut le faire par démagogie, quoi, parce que les gens, ils ont envie de vivre dans un monde cool au lieu d'être dans un monde stressé. Et le truc totalement con est totalement impossible.
Mais avec les moyens publicitaires importants pour aller chercher le grand public, pour entrer presque de force dans le débat démocratique, le tout grâce au fric de l'héritier, eh bien le publicitaire va être surpris que le public se mette à réfléchir et finalement suive ce jeune plein de bonne volonté. Voilà, je ne vous dis pas la fin, mais vous pourrez en découvrir une version filmée gratuitement sur Internet. Voilà, cette pièce a été jouée pendant quelques mois, évidemment sans aucun relais médiatique, mais ce qui est intéressant aussi, c'est les réactions du public après avoir assisté à une telle représentation. Évidemment, il y a une partie du public qui prenait cette pièce uniquement du côté comique, parce qu'il y a un certain nombre de ressorts de parties humoristiques, mais le reste du public était vraiment interloqué, parce qu'il y a tout un tas d'arguments économiques dedans, assez simples, vive les mariages, assez simples et accessibles, qui font que, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour rendre encore plus concret la transition d'un monde monétiste à un monde débarrassé de l'esclavage monétaire, il y a une autre bande dessinée qui est en cours de réalisation avec les dessins de Mathieu Bertrand et la couleur de Olivier Ferrat. C'est une bande dessinée qui s'appelle Johann Lebster, le début d'un nouveau monde, qui est en cours de réalisation donc. Là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui... ça part d'une discussion où on refait le monde à la fin d'une soirée. Et évidemment, tout le monde se moque d'elle quand elle parle d'un monde sans monnaie. Mais au fond, dans la salle, il y a deux personnes, deux jeunes, qui sont interpellés par son discours parce qu'eux aussi, ils pensaient ça dans leur coin. Mais ils n'osaient pas le dire parce qu'ils en avaient marre d'être traités d'abrutis, d'idiots économiques, etc. Et petit à petit, ils vont déjà se rencontrer là et ils vont se dire qu'est-ce qu'on essaye de faire. Donc ils essayent la voie politique, ils se plantent, ils essayent d'autres voies, ils se plantent encore. Et après, ils essayent de faire bouger les lignes par un éco-village. Il se passe des tas de bazars de relationnels dans cet éco-village. Il se passe tout un tas de choses. Mais voilà, le monde après a changé parce que parallèlement, il y a des problèmes de changement climatique qui font que ça devient le chaos parce que les assurances n'arrivent plus à redonner l'argent quand il faut réparer les dégâts, etc. Donc voilà, c'est une BD qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Voilà, il existe aussi des chansons qui évoquent un monde sans argent. Et quoi de mieux qu'une chanson qui reste dans la tête pour modifier votre état d'esprit? Bon, alors évidemment, là, il y a l'exemple à la noix de Be Happy, enfin, c'est plus Be Happy, mais c'est un... Le truc où faut être joyeux, je me souviens plus, de Pharrell Williams, que tout le monde connaît sur la planète. Donc évidemment, c'est un message très très simple, soyez heureux. Donc bon, c'est déjà mieux que soyez malheureux, c'est vrai. Mais j'invite vraiment tous ceux qui sont bons en musique à essayer de faire des chansons qui interpellent sur le système monétaire. Alors évidemment, c'est rébarbatif, un système monétaire. Mais... Voilà, creuser la question, il y a moyen de toucher beaucoup de gens, mieux que par des discours politiques, mieux par simplement en leur créant un petit doute ou une envie forte qui s'inscrive dans sa tête grâce à une chanson. Ne méprisez pas cet axe, parce qu'il existe. Pour bien gérer le présent, bien construire l'avenir, il faut supprimer l'argent, la monnaie nous fait mourir. Par quoi remplacer le fric? Simplement par la conscience. La base n'est pas utopique, elle sera l'intelligence. Cette putain de monnaie, pour avoir de la valeur, doit être rare à jamais. Voilà où est son erreur. Qu'est-ce qui fait le chômage? Pourquoi l'impossible partage? Pourquoi toujours les pollutions, les incomplètes éducations? Une autre façon de produire une culture différente, c'est d'utiliser la contre-culture. D'autant plus facile que cette contre-culture désacralise déjà le dieu argent. Plus nous habituons à cette idée qui, avant, paraissait impossible, une civilisation de l'après-monnaie, plus elle deviendra possible. Alors, le but, c'est vraiment de se moquer de l'argent pour saper la confiance qu'on a dans cet outil.
Ça, c'est important, parce que bon, là, il y a toujours une vague avec l'histoire de l'argent dette et tout ça, donc les gens perdent confiance. Mais il faut encore enfoncer le clou. Il faut continuer à se foutre de la gueule de cet outil autant qu'on peut. Et les images, en particulier quand elles ont un fond comique, ça aide à désacraliser. On peut les tamponner aussi. C'est illégal. Ah, c'est illégal. C'est illégal de modifier une apparence de billet. Parce que c'est pas ta propriété, c'est la propriété de la banque. Donc on ne peut pas tamponner en disant fuck l'argent. Non, c'est not possible. Bref, donc voilà. Donc dans l'évolution des cultures aussi, il est nécessaire d'aller contrer les argumentaires. Donc en général, bon, je vais prendre trois exemples. Ce sera sûrement à affiner, mais bon. C'est pour montrer le principe. Il faut être fou pour vouloir vivre sans argent. Non, il faut être fou pour penser avoir un avenir en continuant à utiliser de l'argent. Ça, c'est l'idée qu'il faut tambouriner. Alors bon, pas sous forme de totalitarisme. Hein. Mais il n'empêche qu'on est tellement soumis à un totalitarisme qui vous dit « L'argent, c'est le bonheur. Bien, Benoît, et confiance. » Qu'il faut contrer ça, il faut réagir. Et on a tous, à un moment, une possibilité d'appuyer sur un petit bouton qui est à nous, qui concerne nos amis, qui fait qu'on peut réagir. Voilà, un autre exemple, un monde post-monétaire n'est pas une solution. Et le monde monétaire n'a pas les solutions pour résoudre le chômage, la dénucléarisation, la pollution. Ils n'ont pas les solutions. Ils ne les ont pas. Ils nous font toujours vivre à crédit, mais ils n'ont rien devant. Donc il faut contrer l'idée que le monde post-monétaire n'est pas une solution en balançant la réalité réelle que tout le monde peut constater. Et un dernier exemple, le problème ne vient pas de l'utilisation de l'outil monnaie, mais de l'humain. L'outil monnaie affame les populations, engendre le gaspillage. C'est un outil dépassé. Voilà, ce sont des exemples, bon, assez volatiles, mais là aussi, nous avons tous un moyen d'action pour décoloniser l'imaginaire de chacun et pour agir de manière pacifique. Donc, soyez acteurs de cette culture post-monétaire. Voilà, donc que ce soit comme ici, en se moquant de cet outil, que ce soit en imaginant des possibilités, que ce soit en concevant un logiciel qui permette de gérer la rencontre entre les ressources et les besoins, tout est à construire et tout est possible et tout est quelque part déjà là. Ça existe déjà, il faut simplement fouiller et mettre en avant. Donc alors évidemment, en termes de communication, rien ne vaut le message clair. Parce que quand vous avez un message clair, forcément, vous lancez une balle. Il y a l'exemple des publicitaires où vous prenez plein de balles de tennis face à quelqu'un et vous lui lancez toutes les balles. Qu'est-ce qu'il va rattraper quoi? Toutes les balles? Non. En général, il va arriver à en choper une. Mais c'est le principe du message. Pour qu'un message passe, il faut qu'il soit simple. Alors, est-ce que pour que le message soit simple sans être simpliste, ça aussi, ça c'est compliqué. Mais est-ce qu'il faut une Bible à la civilisation de l'après-monnaie? Même une Bible, elle sera toujours interprétable de plusieurs manières, broyant le message. Donc non, la culture post-monétaire doit, à mon avis, être multiple. Et tant pis si dans un premier temps on tâtonne, c'est un peu brouillon. À nous d'apprendre aussi à communiquer, à savoir écouter, à savoir promouvoir, à être entier. Voilà, parce que c'est ça aussi la culture. Connaître sa culture, c'est connaître ses limites. Et maintenant, je vais laisser la parole avec un exemple concret de culture actuelle à Jean-François Petit-Gendre, qui va nous parler du livre qu'il a écrit dernièrement, qui s'appelle « Le porte-monnaie », voilà, qui est un autre exemple de vitalité de la culture de la désargence. Et j'invite vraiment chacun à réfléchir à cette notion de culture post-monétaire, parce qu'il faut absolument décoloniser les imaginaires. Voilà.